Bonsoir les amis, bienvenue dans ce 20e numéro du club Le Cameroun sur le toit de l'Afrique au terme d'une CAN qui ne restera pas dans les annales comme la plus spectaculaire ni la plus prolifique. Le sommaire du club, c'est parti. Composé d'un effectif sans star, rajeuni en prévision de l'édition 2019 organisée à domicile, le Cameroun termine sur le toit de l'Afrique un peu plus tôt que prévu. Un cinquième sacre des Lions indomptables face à l'Égypte, la nation la plus titrée du continent. C'est l'histoire d'un Belge, il arrive au Cameroun et un an après, il gagne la CAN. Hugo Broos est devenu le premier sélectionneur belge à gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Encore une finale de perdu en revanche pour Hector Cooper, le sélectionneur argentin de l'Égypte, qui a conforté son statut de perdant magnifique du football mondial. 5 finales perdues sur 5 disputées. Enfin, la 31e édition de la CAN qui s'est achevée sur le sacre du Cameroun, une CAN 2017 qui aurait été marquée par quelques belles surprises, mais aussi de grosses déceptions. Un premier bilan dans le club ce soir. Et pour m'accompagner ce soir dans le club, j'accueille une revenante, Julie Rosselin. Bonsoir Julie, ça va ? Bonsoir Jalal, bonsoir à tous, ça va super. Super. Bah, j'aimerais bien que tu me files des tuyaux par rapport à la gestion de tes congés, parce que j'aimerais bien en avoir autant, ou alors je réclame une audite. C'est avant tout un audit. Un déjà. Audit, voilà. Et ouais. Un audit, voilà. Et c'est avant tout une très bonne relation avec... Il a encore les cartons. Oui, je les ai oubliés dans la loge. Donc là, j'oublie, je suis tranquille. Tout le temps, voilà. Je suis tranquille. Et ça tombe bien parce que je risque d'être un peu dissipé pour ce retour. Mais Jérim, qui nous aide à préparer cette émission, elle pourra peut-être me ramener les cartons. Il est pas mal non plus en termes du club buissonnier. Reda Lely, bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Et puis, bien sûr, avec moi aujourd'hui également, Sahbi Moussa Ndar. Bonsoir Moussa. Marhaba, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir tout le monde. Alors, bien sûr, on va revenir lors de cette édition du club. Ça va être le bilan de la CAN. Et les Camerounais qui attendaient cela depuis 15 ans, ils sont sacrés champions d'Afrique pour la 5e fois de l'histoire de ce pays face à la nation la plus titrée, la sélection égyptienne. Tout cela sous les yeux de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qui nous a accompagnés également tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, Fouad El-Hanaoui au Gabon. Bonsoir Jalal, à toi et à tes invités. On peut dire chapeau pour cette équipe du Cameroun qui a déjoué ce soir tous les pronostics en remportant haut la main cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et sont venus sur les pointes des pieds ces Camerounais. Ils n'avaient pas les faveurs des pronostics. Et en fin de compte, ils ramènent à la maison un 5e sacre continental face à des Pharaons qui étaient pourtant les favoris de cette grande finale au stade de l'Amitié de Libreville. Et sont venus sur les pointes des pieds tout simplement parce que le Cameroun n'avait pas tous ses atouts pour participer à cette CAN 2017. Pas moins de 8 joueurs ont boudé la sélection camerounaise. Ils ont décidé de ne pas jouer cette CAN pour des raisons personnelles ou bien pour des différends avec les responsables de la Fédération camerounaise de football. Et l'équipe du Cameroun qui a eu de la peine à sortir de son groupe, le groupe où il y avait le Gabon, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Et on se rappelle ce dernier match de poule face au Gabon où les Gabonais étaient les plus proches de la victoire que ces Camerounais. Le Cameroun a tracé par la suite son chemin face au Sénégal, puis en demi-finale face au Ghana pour venir ce soir à bout de cette équipe d'Égypte et dire que c'est l'Égypte qui a ouvert le score par Nini à la 20e minute. Mais les jeunes joueurs camerounais ont démontré une abnégation, un courage pour décrocher la victoire en égalisant d'abord par Nkoulou et puis Aboubakar a scellé le sort de la rencontre 3 minutes de la fin, trompant la vigilance du gardien quinquagénaire Aissam Al-Hadari. Le Cameroun ce soir n'a pas volé sa victoire. C'est une victoire amplement méritée au vu du scénario de la rencontre et au vu du rendement face à une équipe égyptienne qui a essayé de tenter le coup face aux Camerounais. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette tactique défensive n'a pas donné les fruits escomptés. Et une fois de plus,
le pauvre Hector Cooper, eh bien, il perd une autre finale. Et comme peut-être je vous l'ai dit la dernière fois, on ne l'appelle pas Hector Cooper, on l'appelle Hector Kipper. Hector Kipper, voilà, oh. Et on va revenir. Non, mais tu devrais avoir le droit de mettre des cartons à distance. On ne peut pas laisser passer ce très mauvais jeu de mots et ce chapeau. De toute façon, je pense que Rim, qui nous aide à préparer cette émission, je parle d'elle encore, t'apprécie beaucoup parce qu'elle traîne à me ramener les cartons. Parce que là, t'aurais pris un deuxième Cher. Carton jaune pour t'attaquer à quelqu'un qui nous a couvert avec brio cette Coupe d'Afrique des Nations. Tu défends pas Fouad ? Reda. Non, je ne défends pas Fouad, juste parce que je s'étais concentré sur autre chose. Mais Fouad est un héros de la presse marocaine, il faut respecter ça et il ne faut pas l'attaquer. Et du monde du chapeau. Ouais, c'est il y a l'avant-garde de la mode. Et si on va se rendre compte d'ici exactement, 2019, exactement. Justement. Ouais, ouais. Et si les amis, on parlait de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec bien sûr cette consécration pour le Cameroun, qui est sacré, donc on peut dire... C'était une petite surprise, hein, même pour les Lions indomptables du Cameroun. Mais cette équipe, faute des stars, s'est basée sur un état d'esprit exemplaire. Et ce n'est pas par hasard si Aboubakar, bien sûr, Nkoulou, devenu remplaçant de luxe, qui ont inscrit les buts du titre. Mais cela, tout en louant, leur sélectionneur Hugo Broos. On voit ce sujet sur ce nouvel état d'esprit des Lions indomptables et on en débat juste après. L'image est éminemment symbolique. Quelques instants après son but du sacre inscrit à la 88e minute face à l'Égypte, ce dimanche en finale de la CAN 2017, Vincent Aboubakar savoure le titre en soulevant victorieusement son sélectionneur Hugo Broos. Si le technicien belge a eu la bonne idée de lancer l'attaquant du Beşiktaş à la mi-temps de cette affiche, ce dernier aurait pourtant eu toutes les raisons du monde de lui en vouloir, puisqu'il l'a rapidement cantonné à un statut de joker de luxe dans cette compétition. Au lieu de ça, l'ancien Lorientais a salué la collectivité sur laquelle le coach a mis l'accent. Une façon de souligner que la clé du succès de ce Cameroun, pas forcément très impressionnant sur le papier, réside avant tout dans l'état d'esprit qui anime tout un groupe de 23 joueurs. On est arrivé dans ce tournoi, on n'était pas parmi les favoris. Et on a pris les matchs les uns après les autres. Et finalement, l'appétit est venu en mangeant. Et aujourd'hui, nous sommes sacrés champions d'Afrique. Oui, c'est un sentiment de joie, de fierté. Nous avons tout donné depuis le début de la compétition. Aujourd'hui, nous sommes récompensés. Nous pouvons qu'être contents et en fierté, quoi. Un peu trop tôt, il faut l'avouer, mais c'est dire, voilà, on y est arrivé parce qu'on ne sait pas quand cette opportunité se présentera de nouveau. Et vraiment, tirer un coup de chapeau à cette équipe, à cette famille, parce que ça, ce n'est plus une équipe, ce n'est plus un groupe, c'est une famille, c'est quelque chose de merveilleux. Autre symbole marquant, malgré son statut de capitaine, Benjamin Moukandjo a tenu à faire venir Nicolas Nkoulou, davantage considéré comme un cadre, mais lui aussi devenu remplaçant avec lui au moment de soulever le trophée. Finalement, la défection de 8 joueurs parmi les présélectionnés pour la compétition a semblé renforcer ce groupe, comme si celui-ci tenait à montrer que malgré son supposé déficit de talent, il ne manquait pas d'envie. Là aussi, le scénario de la finale démontre tout le mental des Lions menés 1-0 à la pause, mais qui ont renversé les Pharaons grâce à Nkoulou et Aboubakar, leurs deux jokers de luxe, tous deux entrés en jeu au cours de la partie. Même le conflit, plutôt gentil autour des primes, n'a fait que consolider ce groupe puisque Broos a soutenu ses joueurs qui réclamaient une hausse. Alors que le succès au Gabon pourrait donner des envies de retour à certains réfractaires comme Joël Matip et Choupo-Moting, le Belge va devoir désormais veiller à ne pas fragiliser l'équilibre qu'il a construit, car les Lions n'ont pas eu besoin d'eux pour déjouer tous les pronostics. Voilà, donc esprit de gagne, esprit de famille. Avant que j'oublie, je sors le carton jaune pour Julie. Je pense que... J'accepte, même si franchement, ce n'est pas tellement réglementaire. Non, c'est un carton jaune. On a utilisé la vidéo. On a utilisé la vidéo et tu le mérites amplement
pour tes 5 premières minutes depuis un mois dans l'émission Le Club. Je pense que Rim t'apprécie beaucoup, mais elle aime aussi l'émission, elle aimerait bien la refaire, okay. Voilà, et là qu'on la retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut gagner une Coupe d'Afrique rien qu'avec un bon état d'esprit? Bah ouais, le Cameroun l'a démontré, Jalal. Je pense que c'est, voilà, c'est une équipe que personne ne s'attendait à ce stade. Eux-mêmes, les Camerounais eux-mêmes, la presse, ni personne n'y croyait. L'entraîneur a été massacré grave chez lui. Donc voilà, en plus des 7 absences qu'ils ont, les autres qui ne voulaient pas venir parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur place en club. Donc voilà, je pense que c'est... Le Cameroun a montré durant cette CAN qu'elle l'a gagnée avec beaucoup de mental surtout. Et en plus, beaucoup d'abnégation parce que c'est une équipe difficilement qui s'en est sortie au premier tour. Il faut se rappeler du match contre la Guinée-Bissau où après ils étaient menés. Et à 15 minutes, c'était 1-0. Ils s'en sortent. Il s'en sort. Faut pas oublier non plus le la Gabon, dernière seconde face au Gabon et l'arrêt miraculeuse de l'arrêt du gardien de but. Donc voilà. Mais on a vu le Cameroun sérieux quand les quarts de finale ont commencé contre le Sénégal déjà. Effectivement. D'entrée, l'entraîneur il dit que j'ai pas les armes pour jouer avec le Sénégal. Cette équipe du Sénégal est plus forte, donc je recule, je les attends. Il a épuisé le Sénégal physiquement jusqu'au bout du suspense. Ils sont sortis dans les pénalties. Par rapport au Ghana aussi, pareil. Ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont marqué, ils les ont attendus, ils ont contré, ils ont marqué le deuxième but. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je pense que c'est les qualités qu'ils ont montrées, c'est ce qu'il faut, Jalal, je pense, pour gagner une Coupe d'Afrique. Ils ont montré qu'ils n'avaient pas de stars. Ils ont su mettre certains grosses qui ne voulaient pas venir, ils les ont laissés à la maison. Ouais. Donc voilà, je pense que il en faut ces qualités d'abnégation, de courage, de mental, de collectivité. On parlait tout à l'heure du fait que Nkoulou, capitaine d'équipe, et qui joue à Lyon, qui est passé par Marseille et tout, et Vincent Aboubakar qui était à Porto, qui est maintenant en Turquie, qui ont accepté d'être sur le banc, et ironie du sort, c'est ces deux qui marquent les deux buts du Cameroun, donc ça démontre aussi un état d'esprit de cette équipe. Je pense que voilà, c'est sûr, il faudra beaucoup, beaucoup insister sur ça. L'équipe du Cameroun a été championne d'Afrique parce que tout simplement, elle a été, sur le plan mental, c'est une équipe qui en a énormément donné aussi dans cette Coupe d'Afrique. Et l'ironie de l'histoire, c'est peut-être avec l'effectif le moins doué. Les moins connus, pratiquement. Les plus connus étaient sur le banc. C'est Nkoulou, c'est Vincent Aboubakar. Ouais. Ils étaient sur le banc. Moukandjo, qui faisait office de capitaine, joue à Lorient. C'est vrai qu'il est pas mal, mais bon, il joue à Lorient. Le jeune attaquant d'Alborg. Voilà, Bassogong, méconnu, pratiquement. C'est des joueurs méconnus. Ouais. Donc voilà, ça montre une fois encore de plus que voilà, la Coupe d'Afrique, ce ne sont pas des vedettes peut-être qui les gagnent, c'est surtout un collectif, un groupe avec un mental très très fort et beaucoup 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 d'abnégation. Reda? Oui, tout à fait d'accord, mais c'est souvent le cas. Quand la Côte d'Ivoire gagne la CAN la dernière fois, ils le font sans Drogba. Avant ça, il y avait la Zambie, alors dont on connaissait pas le moindre joueur avant le coup d'envoi du premier match. Même je vais aller plus loin. Quand tu disais les meilleurs joueurs étaient sur le banc, et également il faut rajouter Choupo-Moting carrément voilà, Matip, etc., Eto qui était dans les tribunes comme spectateur. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps les gros collectifs, les grosses. C'est sur d'autres valeurs que se gagne la CAN. Par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça, Reda, hein, parce que souvent des compétitions général, comme la Coupe du Monde, ça se gagne par des individualités extraordinaires, mais la CAN, c'est souvent un effectif. Et par exemple, on parle du cas du Cameroun, le Cameroun, avec Eto'o, n'a gagné qu'une seule fois la Coupe d'Afrique, et il était ridicule en 2002, Eto'o. Drogba, zéro. Oui, mais après, moi, je trouve que sur cette compétition-là, on ne peut pas tellement opposer le Cameroun à d'autres équipes, puisque je trouve que toutes celles qui sont arrivées au moins dans le dernier carré ont fonctionné sur des gros collectifs. L'Égypte, c'est pareil, une fois que tu enlèves Salah, tu es quand même sur une histoire collective, vraiment, sur là aussi, et de l'abnégation et du courage. Et je trouve que d'ailleurs, tu parlais d'une CAN un peu morose qui ne restera pas dans les annales. Je trouve qu'effectivement, le côté technique a été pallié
par ce fighting spirit quand même assez fort sur plusieurs matchs. Mais excuse-moi, pour moi, c'est une constante aujourd'hui du foot des nations. C'est-à-dire qu'on a un foot de très très haut niveau au niveau des clubs. Quand on regarde la Ligue des Champions, je pense que c'est l'équivalent de la Formule 1, c'est-à-dire c'est le top techniquement. Mais c'est la pointe de la technologie footballistique, des schémas tactiques complexes, des joueurs au sommet de leur art, des règles, c'est de la fine horlogerie. Ouais. Au niveau des nations, même l'Euro, la Coupe du Monde, c'est plus besogneux. Et ça va se jouer sur l'abnégation, le sacrifice, l'état d'esprit collectif. Et pour moi, toutes les compétitions nationales, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro, la CAN, se jouent sur ce modèle-là. La CAN, c'est encore plus spectaculaire parce qu'il faut encore plus d'abnégation. Ça se joue en plein milieu de la saison. Les joueurs sont, on en reparlera, les joueurs sont mobilisés par autre chose. Ça se joue dans un climat différent de celui dans lequel évoluent ces joueurs ou même dans lequel ils ont vécu à part jouer. C'est encore plus accentué. Mais pour moi, le foot aujourd'hui des nations, il est toujours basé sur ça, quoi. Oui, sauf que c'est très compliqué parfois, Reda. Pas vrai. C'est par rapport au groupe. Parce que maintenant... T'as pas le temps de travailler en équipe nationale. Ouais, et maintenant, tout ce qu'on met en évidence, c'est le travail de groupe. Le problème, c'est que t'as 22 professionnels. Maintenant, les équipes africaines, à 90%, ils sont professionnels. Que des professionnels acceptent de se mettre sur le banc par rapport à une équipe. C'est ça. C'est le problème du Cameroun. Ils ont gagné cette Coupe d'Afrique à cause de ça. Parce que les professionnels ont accepté Nkoulou, Vincent Aboubakar de rester sur le banc. Le Sénégal, ils ont eu des problèmes. Parce que Moussa Sow n'a jamais voulu être sur le banc. Ouais. Quand il sort, il ne salue pas l'entraîneur. C'est d'autant plus fort avec le Cameroun qui a été une sélection très perturbée avec des problèmes de primes, des problèmes... Avec des défections. Et peut-être c'est ce qui a rendu cette équipe plus forte aujourd'hui. C'est la défection des stars, des 7 à 8 joueurs qui ne sont pas venus. Mais attention, ce n'est pas une simple défection. C'est que les défections, on a l'habitude. C'est une défection. Les défections, ils ne croyaient pas à l'équipe, c'est tout. Pour la première fois, une fédération africaine a rendu public l'impublic, c'est-à-dire le cachet, les coulisses, c'est-à-dire que les joueurs qui répondent « Non, moi, je n'ai pas envie, j'ai piscine, mon coach veut que je reste, je suis fatigué. » Mais ça a toujours été le cas. C'est la première fois que je vois ça public. Ils l'ont rendu public. Le sélectionneur aussi, qui te dit à la base « J'avais des vieux joueurs qui venaient parce qu'ils étaient obligés de le faire, etc. J'ai décidé de laisser tomber ça. » Un sélectionneur... Dans ta théorie, on ne va pas dire « Le Cameroun a gagné » malgré le fait qu'il n'avait pas de star, mais peut-être, risquons le paradoxe, le Cameroun a gagné parce qu'il n'avait pas de star. Et le Cameroun a gagné parce qu'il avait aussi un entraîneur. Et on va l'écouter, Hugo Broos. Il évoque bien sûr cette... Fais attention avec Hugo Broos. Sa mission. Très attention. Hugo Broos, on l'écoute. Très attention. So I had to change that because players were coming to Cameroon. Not to play for the national team, but because... C'est vrai que lorsque je suis arrivé au Cameroun, j'ai dû changer des joueurs âgés qui n'étaient plus motivés par la sélection. J'ai pris des joueurs plus jeunes. On a fait du bon travail. L'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Je suis content pour les joueurs. Ce n'est pas un groupe de footballeurs, c'est un groupe d'amis. I did a very good job. Now today we have a team who is still not on the highest level. Voilà, encore un entraîneur sans grade que l'Afrique tire de l'anonymat. Hugo Broos, il gagne la CAN pour sa première tentative et c'est le premier belge. Mais parfois, tu te mettre d'accord avec toi-même sur Broos ou Broos, parce que là, tu nous as fait 3-4 versions. C'est Hugo Broos, c'est un flamand. C'est Hugo Broos. Broos. Voilà, exactement. Broos avec deux O. Donc, Hugo Broos, il arrive et c'est quelqu'un... qui n'a pas d'expérience au niveau africain. Il a dit qu'il n'a pas bossé pendant 5 ans. Il a été oublié par tout le monde, ni en Belgique. Il a joué quand même à Anderlecht et en équipe nationale avec les Diables Rouges. Et franchement, ce n'est pas une mission facile que d'entraîner les noms indomptables du Cameroun, demander à Henri Michel ce qu'il en pense. Et voilà, il a réussi. Il a réussi à imposer aussi ses idées, hein, parce que venir et mettre sur le banc les stars, les quelques stars qui restaient, c'est compliqué. Je pense que c'est le mérite lui revient aussi, inconnu. Ouais, il vient dans un contexte difficile, le Cameroun, où il y a 60 millions d'entraîneurs. Les anciens joueurs qui avaient gagné la Coupe d'Afrique l'ont massacré partout. Roger Milan en tête. Milan en tête, Antoine Bell aussi, mais personne, personne ne l'a raté. Parce que personne ne croyait à cette équipe. D'autant plus que les joueurs qui semblaient jouer les Matip et tout ne venaient pas. Donc il était pratiquement seul au monde. Mais il a su
Je pense que si on revoit les trois matchs du Cameroun à partir des quarts de finale, c'est tactiquement aussi qu'il a gagné ses équipes. Mais tactiquement, il a été très très fort. Je pense que voilà, il faut lui tirer un coup de chapeau. Il a fait du bon boulot. D'autant plus que le Cameroun organise dans deux ans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quelle pression ça va être pour eux en revanche, hein. Enfin, pression, je sais peut-être qu'ils ont déjà gagné celle-ci, donc ça leur enlèvera moins de pression. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué de son empreinte ce tournoi, parce qu'il a su, avec une équipe composée de joueurs sans grade, arriver au Graal suprême, c'est-à-dire gagner cette Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun attendait depuis 2002, depuis leur finale contre le Sénégal. Ça fait pratiquement 15 ans aussi. Voilà, une équipe sans grade, un entraîneur sans grade et qui finit sur le toit d'Afrique. C'est un coach, en tous les cas, qui a l'air, de ce qu'on en voit, effectivement, moi je ne le connaissais pas, mais de ce qu'on en a vu, les quelques images d'entraînement et de ce qu'on en a vu en conférence de presse, qui a l'air quand même proche du sinistre. Moi j'ai trouvé, il a l'air très rigoureux, il a l'air très rugueux, très rigoureux, il a l'air d'être... Ils sont de plus en plus nombreux, tu te rappelles des conférences de presse de Laurent Blanc mais là il a l'air d'imposer une sacrée discipline, tu vois, avec un côté, à part cette image de fin, j'ai pas trouvé que c'était un coach qui avait l'air proche de ses joueurs, et je me dis tant mieux qu'il est sur une sélection, parce que sur un club, un an avec un coach comme ça, je pense que c'est pas évident. Sauf que Julie, à la fin du match, tous les joueurs sont partis le montrer du doigt. C'est grâce à lui qu'on a gagné. Et c'est un message. C'est un message à toutes les critiques et tous les anciens qui l'ont pas épargné. Moi, j'ai adoré leur deuxième mi-temps contre l'Égypte. Je crois que c'était une performance glorieuse. Voilà. Physiquement, c'était incroyable. Les 10 minutes qui ont précédé l'égalisation de Nkoulou étaient incroyables. Ils les ont attrapés. Ouais. Ils ont attrapé l'équipe. Non, je trouve pas de meilleur mot pour le dire. Physiquement énorme, techniquement accompli. Ah ouais, quand tu marques comme ça le but de la victoire sur un geste aussi compliqué. Et la belle histoire, c'est après, comme ce que disait Moussa, après un coaching magnifique. Bah le premier, c'est pas du coaching, c'est la blessure du défenseur. Et puis, tu as les deux joueurs qui rentrent et qui marquent. Et si on parlait aussi d'Hector Cooper, et je ne vais pas essayer de refaire le jeu de mots de Fouad. On sent tout de suite. Alors lui, c'est un petit peu le perdant magnifique du football mondial. Il est âgé de 61 ans. Il est arrivé en Europe il y a une vingtaine d'années. Il a disputé 5 finales. Ben, il a eu la bonne idée de les perdre toutes. On l'écoute. Je crois también la tristeza que tengo no es porque yo he perdido otra final. Je veux d'abord féliciter le Cameroun. Je ne suis pas triste parce que j'ai encore perdu une finale. Je suis désolé pour les joueurs. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu donner cette joie au peuple égyptien. Bon, je perds encore une finale. Je ne vais pas dire que je suis habitué, mais bon. Con la derrota, pero creo que se ha hecho un buen trabajo y solamente. Voilà, donc Hector Cooper, il faut que, avant d'être aussi sinistré, il faut qu'il pense si j'ai un conseil à donner à M. Cooper, c'est de penser à Claudio Ranieri, c'était la même chose que lui, et à la fin, il a remporté un sublime titre, encore plus compliqué que la CAN, la Première Ligue. Vas-y, Rémi. Non, ressaisissons-nous, s'il vous plaît. Monsieur Cooper a certes perdu 5 finales, mais déjà il s'est qualifié pour 5 finales. Oui. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on est en finale, le coach qui nous a emmené là-bas est considéré comme un héros au Maroc. Bien sûr. Voilà, déjà. c'est important. Donc il s'est qualifié pour 5 finales, mais c'est vrai. Deuxièmement, moi je serai égyptien, je serai fier de mon équipe. Je ne vois pas d'erreur. Ils ont été surclassés en deuxième mi-temps par plus fort qu'eux. Ils ont fait une très belle compétition. Ils reviennent en Afrique à leur place naturelle qui est au top. Voilà. Ils sont surtout Reda. Parce que la CAN, ils l'ont gagné à 7 reprises. Et là, ils sont super bien placés en éliminatoire de la Coupe du Monde. Parce que l'objectif aujourd'hui pour l'Égypte, qui n'a plus participé à la Coupe du Monde depuis 1990, et c'était sa seule depuis la première, c'est de retrouver le mondial. Voilà. Et pour moi, l'Égypte a fait une belle CAN. Je suis admiratif devant la cohérence de leur football. Ouais. Voilà, ils ont des clubs forts, ils ont une équipe nationale forte, ils ont un style de jeu, on sait comment ils vont jouer, ils y arrivent. Je vais même aller plus loin et peut-être ça va avoir l'air ridicule ce que je vais dire, mais je trouve que même physiquement, ils se ressemblent. Voilà. On a un footballeur égyptien de 2016 qui est différent de 2017, de la version précédente, avec un plan de jeu cohérent, des clubs énormes, des résultats réguliers. Voilà. Ils ont eu un passage à vide, ils reviennent. On ne peut pas dire que tous sont des losers sauf celui qui gagne, c'est-à-dire M. Hugo Broos. On ne peut pas dire ça. On va dire que l'Égypte a fait une grande CAN,
et rendre hommage vraiment à leur parcours parce qu'il s'est fait sur, au forceps avec énormément de qualité mentale et technique. J'ai trouvé qu'ils ont été grandioses, voilà. Voilà, grandiose donc cette sélection d'Égypte. Et pourtant c'est dur pour un supporter d'équipe du Maroc de dire ça de l'Égypte, je vous le dis. Et surtout vu les conditions avec lesquelles l'Égypte a sorti les Lions d'Atlas. Encore deux petites minutes pour revenir une fois encore sur ce sacre du Cameroun. C'est un sacre plus tôt que prévu, on a écrit donc en bas de l'écran, parce que cette équipe, en fait, elle a été formée, préparée, pour la prochaine CAN, la CAN 2019, avec des jeunes joueurs, la CAN 2019 qu'accueille le Cameroun. Aujourd'hui, ils ont gagné, comme je disais tout à l'heure, plutôt que prévu. Bah ouais, je pense que c'est ça aussi le charme de la Coupe d'Afrique. C'est vrai que par rapport aux défections, par rapport aux joueurs qui étaient âgés, qui étaient dans l'équipe, l'entraîneur pensait beaucoup plus à en 2019, dans deux ans. Là, il la gagne, je pense que pour les joueurs, c'est bien. Ça inaugure aussi une Coupe d'Afrique 2019 où, ce qui est sûr, il y aura énormément d'espoir, d'enthousiasme, de monde surtout. Ouais. Parce que vu l'accueil que le Cameroun a eu, 4 heures pratiquement de route pour rallier leur hôtel, de l'aéroport jusqu'à leur hôtel, cela veut dire que la Coupe de 2019 aussi, on verra une équipe du Cameroun aussi hyper, hyper conquérante parce qu'ils ont montré que malgré les absences, malgré que personne ne croyait en eux, ils étaient là. Donc ça veut dire qu'en 2019, il faudra compter encore avec cette équipe du Cameroun. De toute façon, le mental, l'abnégation, c'est en eux, c'est chez eux. Maintenant, ils auront la pression de plus parce qu'ils vont organiser à la maison. Mais c'est sûr que c'est pour moi, je pense que même si ça vient, on ne peut pas savoir, on ne peut rien calculer dans le foot. Que ça vienne maintenant pour eux, les joueurs, ils prennent de suite. 2019, on verra bien. Mais en tout cas, pour cette génération que personne ne connaissait, prendre la coupe maintenant, leur dire que vous l'avez maintenant et dans deux ans, ils vont la prendre maintenant. Donc voilà, pour moi, c'est bien et c'est de bon augure pour la Coupe d'Afrique de 2019 aussi. Voilà, donc de bon augure pour la Coupe du Monde. Moi, je me dis pas forcément. Moi, je me dis qu'il peut y avoir aussi le scénario de l'enflammade profonde, ouais, avec grosse joie maintenant, suivi de la catastrophe. Quoi. Ça peut aussi arriver, suivi des problèmes internes qui commencent et suivi de trop de pression, justement, en arrivant à... Ils en auront de la pression parce qu'ils vont organiser. Par contre, là où ils seront bien dans leur tête, ils l'ont déjà gagné. C'est déjà bien. Maintenant, la question qui se pose pour Hugo Broz, c'est que faire des autres des 8. C'est ça, là. Je pense que l'opinion publique a aussi sa place à jouer dans une sélection et qu'à partir du moment où tu as gagné sans ces 8-là, il aura peut-être besoin de ces 8-là en éliminatoire de la Coupe du Monde parce que le Cameroun se trouve dans un groupe extrêmement relevé avec le Nigeria, l'Algérie et la Zambie. Hein, ça va être très compliqué. Il faut le répéter parce que c'est une révolution qui s'est passée dans la communication des sélections africaines. On n'a pas eu 8 absents ou 8 blessés ou bien 8... on a 8 joueurs qui ont décliné la sélection pour des prétextes qui ont été rendus publics. C'est-à-dire que quand l'analyse de café dont je fais partie regarde un match et dit il mouille pas le maillot et qu'on nous explique que c'est de l'analyse bas de gamme, et ben on se rend compte qu'en fait c'était ça, c'était juste ça, et que ceux qui voulaient pas venir, il vaut mieux s'en passer plutôt que de traîner des boulets qui te plombe le moral et qui te plombe les résultats. C'est ce qu'ils ont démontré. Ceux qui ne sont pas venus, Reda, les Camerounais qui ne sont pas venus, n'ont pas été autorisés par la FIFA à jouer avec leur club. Donc, comme le défenseur de Liverpool. Il gagne la coupe, il joue ni avec son club. Donc voilà, et ça leur apprendra. Même s'ils reviennent pas, Broz est le roi de la brousse. De toute façon, il a gagné. Voilà, je vais donner... pas à lui, pas à Moussa. Jamais je donnerai un carton à Moussa, mais carton aux Camerounais qui ne sont pas venus rejoindre leur sélection. Restez avec nous, mes amis. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club et un bilan général de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue, les amis, dans cette seconde partie du club. La 31e édition donc de la CAN s'est achevée ce dimanche. Une CAN 2017 au Gabon qui aura été marquée par quelques belles surprises, mais aussi de grosses déceptions. Un premier bilan, on en débat juste après. Cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ne laissera sans doute pas un souvenir impérissable aux amateurs du football africain.
à part, évidemment, aux supporters de l'équipe du Cameroun. Avec 66 buts inscrits en 32 matchs, cette CAN 2017 au Gabon est ainsi la phase finale la moins prolifique depuis la CAN 2002 au Mali. Cette compétition a été moins spectaculaire que l'édition 2012, par exemple, co-organisée par les Gabonais et les Équato-Guinéens. La faute, notamment, à des pelouses parfois en mauvais état, comme à Port-Gentil. La faute aussi à certaines équipes mal préparées et ou pas toujours à la hauteur de l'enjeu. La sélection du Gabon, éliminée dès le premier tour, en est évidemment le meilleur exemple. Elle est la première équipe hôte du tournoi, éjectée dès la phase de groupe depuis la Tunisie en 1994. À leur décharge, les footballeurs gabonais ont abordé cette CAN 2017 dans de mauvaises conditions. Ils ont notamment dû travailler sous les ordres d'un nouvel entraîneur, l'Espagnol José Antonio Camacho, nommé seulement 6 semaines avant le coup d'envoi de la compétition. La sortie piteuse des Panthères a en tout cas plombé un peu plus encore l'ambiance. À Oyem et à Franceville, les stades étaient souvent loin d'être pleins à cause du désintérêt croissant du public, mais aussi parce que les enceintes étaient trop éloignées des centres-villes et donc difficile d'accès. De nombreuses surprises ont toutefois égayé cette CAN 2017. Il y a d'abord eu l'élimination au premier tour de l'équipe de Côte d'Ivoire tenante du titre. Il y a eu aussi celle de l'Algérie présentée comme l'un des grands favoris de la Coupe d'Afrique. D'autres prétendants à la victoire finale comme le Sénégal ou la Tunisie ont été éjectés en quart de finale. Sénégalais et Tunisiens ont été victimes d'étonnants Camerounais et Burkinabés. Les Lions Indomptables et les Étalons, respectivement vainqueurs et troisièmes de cette CAN 2017, ont été les grands animateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec des équipes pourtant moins fortes que les années précédentes. Camerounais et Burkinabés ont déjoué les pronostics, faisant souffler un petit vent de fraîcheur sur le foot africain. Voilà, et avant d'en débattre sur ce plateau, on va donner la parole une fois encore à celui qui a vécu de l'intérieur cette Coupe d'Afrique des Nations, Fouad El-Hanaoui. Il nous a laissé sur notre faim cette 31e édition de la CAN Gabon 2017. On n'a pas vu de grands matchs, mis à part peut-être cette rencontre entre le Burkina et le Cameroun, ou peut-être le match Sénégal-Tunisie. Tous les autres matchs ont été d'un niveau très très moyen. Et puis les stars qu'on attendait au tournant, eh bien, ils ont brillé par leur absence. On a vu ni Mahrez, ni Pierre-Emerick Aubameyang, ni encore Sadio Mané, mis à part quelques éclairs de génie de Mohamed Salah, et bien les autres stars n'ont pas été vraiment, vraiment à la hauteur. On a eu des stades aussi vides, on a eu surtout un terrain comme celui de Port-Gentil, impraticable à l'état calamiteux, et puis il y a eu quelques failles aussi au niveau de l'organisation. Mais grosso modo, c'est l'Afrique, c'est le niveau des sélections africaines. Il faut, je crois, essayer de développer le football dans le pays d'Afrique. Et ces professionnels qui jouent dans les grands clubs européens, eh bien, ces dernières années ne rapportent plus cette qualité qu'on attend d'eux. Il n'y a plus les Eto'o, les Drogba qu'on a peut-être vu lors des dernières éditions. Et il faut maintenant, je crois, puiser maintenant dans les championnats nationaux de ces pays africains pour un petit peu rehausser le niveau de la CAN. Et ça sera dans 2 ans au Cameroun avec les champions sortants qui vont être les hôtes de la famille football d'Afrique. Au revoir. Excellent. Oh, oui. Il est extraordinaire. De par son analyse, je crois qu'il a perdu sa lucidité. Bien sûr. Est-ce que vous avez rapatrié Fouad? Oui. Il est rentré, il a Tangé, il est bien. Il a Tangé. D'accord. Ouais. Alors maintenant, on peut parler de ce qu'il raconte. Voilà. Et ce qu'il raconte notamment, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations qui a déçu beaucoup d'observateurs au niveau de son niveau. Ouais, peut-être du contenu, mais le problème, c'est encore une fois, c'est les meilleurs d'Afrique qui étaient là-bas. À part le Nigeria, c'est toutes les grandes nations étaient là-bas. Donc peut-être que le niveau des joueurs a baissé, c'est fort possible, mais c'est ce qu'il y a de mieux en Afrique. Ouais. C'est les Ballons d'Or, c'est Mahrez, c'est Aubameyang, c'est Sadio Mané. Voilà, c'est ce qu'on a maintenant sur le continent. Maintenant,
Je pense que, en tout cas, moi, je n'ai pas été déçu, trop déçu. J'ai vu de bons matchs, c'est comme ça. Tactiquement, les équipes africaines ont beaucoup progressé, moi, je pense. C'est ça, peut-être. C'est ça. Les équipes ont beaucoup progressé tactiquement, mais il n'y a plus cette petite fraîcheur. Il n'y a plus de fraîcheur. Tu parles de joueurs qui, pour la plupart, viennent de Ligue 1, se forment en Ligue 1. Très souvent entraîné par des professionnels de la Ligue de française. On a un fort parfum de Ligue 1 dans la Coupe d'Afrique et donc des schémas tactiques défensifs très, très précis avec des bon, y a pas toutes les équipes, hein, mais c'est quand même la plupart. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne CAN. J'ai trouvé beaucoup d'émotions. Moi, j'ai encore en tête les larmes de Mané, les larmes de Bossofa. J'ai encore en tête cette séance de pénalty incroyable entre Hadary et le gardien burkinabé. Exactement. Qui fait l'erreur de tirer en plein milieu. J'ai beaucoup. Et moi, par rapport à l'Euro, je m'excuse, mais je n'ai pas trouvé ça plus pénible. Du tout. Ça, c'est juste une question de. J'ai trouvé beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense. Alors, bien sûr, on voudrait bien garder le foot africain tel qu'on l'a dans l'idée, un peu fantasque, avec des schémas défensifs, débiles, où tout le monde monte, tout le monde descend, voilà, c'est cool. Mais non, mais c'est pas ça depuis très longtemps. Et quand on parle de stars, mais moi, citez-moi une star qui a honoré les dernières CAN, et vous parlez de Eto'o Drogba, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des grands gestes de Eto'o Drogba dans les CAN. Aujourd'hui, on est sur des blocs sérieux, on est des matchs avec une énorme intensité, il y a une grosse émotion, et je suis désolé, à ce niveau-là, j'ai été servi au moins autant que dans l'Euro, voilà. Absolument. Moi, je dirais que dans les stars, quand même, les frères Ayou sont toujours là. C'est toujours. Des stars et qui sont quand même toujours là et répondent toujours présents. Tous les matchs du Ghana étaient bons. Sinon, après, je suis assez d'accord avec Reda. Je trouve qu'en effet, le côté... disons que, comme je disais tout à l'heure, tout a été un peu pallié. C'est-à-dire que sur la première partie, il y avait quand même un côté technique très pesant, de déchets techniques vraiment très nombreux qui rendaient qui rendaient certains matchs un peu pénibles, en effet. Mais c'est vrai que c'était pallié par le côté tactique, en effet, par le côté effectivement émotionnel, par, encore une fois, l'abnégation et le courage que beaucoup d'équipes mettaient dedans et qui rendaient les matchs finalement assez agréables à regarder en oubliant le côté déchets techniques parfois un peu présent. Justement, Reda parlait à l'instant aussi de l'état des pelouses. Les pelouses qui étaient franchement surtout la pelouse de voilà exactement c'était très compliqué pour les joueurs de travailler de faire leur boulot dans des conditions pareilles. Ça je trouve ça je pense c'est une des fausses notes aussi. Le terrain de Port-Gentil et tout, c'était dans un état calamiteux. Après, moi, j'ai pas voulu en parler la semaine dernière parce que je voulais pas. Ça me dérange quand on sert ça d'excuse quand on perd. On l'a entendu. C'est surtout par rapport au fait que le Gabon avait 2 ans pour organiser. Tu fais venir des professionnels pour les faire jouer dans des terrains aussi calamiteux. Je pense que voilà, ce niveau aussi. Je vais vous lire ce qu'a dit le responsable du comité d'organisation locale par rapport aux pelouses. Il a évoqué l'aspect visuel de la pelouse du stade de Port-Gentil. C'est de celui-là qu'on parle. Il dit le terrain n'est pas beau pour la télévision, mais il est super pour le jeu. Voilà. Donc il a jamais joué au foot. Il a osé la sortir. Le stade était rempli à 70% à chaque match. Donc je pense qu'on peut globalement remettre en doute tous ces propos. Il y a un problème de base sur les compétitions. Sur les compétitions internationales, en particulier la CAN. La CAN, elle a un problème. C'est que le pouvoir d'achat étant ce qu'il est en Afrique, les supporters voyagent peu. On est d'accord. C'est très cher pour... Donc on a globalement, on devrait compter sur un public local. Voilà. La moyenne, c'est 40%, je pense. Or, avec la conception des nouveaux stades, comme l'a très bien dit, je ne sais pas si c'est faux, mais loin des centres, cher, problème de transport, on se retrouve avec des publics démobilisés dès que le Gabon sort, ou globalement, enfin le pays organisateur. Et ça, c'est le cas dans tout. Moi, je me rappelle très bien la CAN 88, ou à Rabat, il y avait l'Égypte. Mais au-delà de la CAN, on le vit au Maroc, Nigeria, aujourd'hui, des enceintes qui sont loin de la ville. On le vit chaque semaine dans la Botola. Mais attention, c'est pas le même prix. Mais t'as plus le choix. C'est pas le même prix. Le prix d'entrée à la CAN est très cher. On parle pas là, il y a eu plein de billets gratuits quand même. Il y a eu plein de gratuité pour... Ils ont mis des bus gratuitement dans les quartiers pour que les gens... Il y a un problème de... Donc ça, c'est de bonne guerre. Le problème de l'éloignement des stats, t'as plus le choix aussi, t'as plus d'espace. Tous les stades qui vont être construits maintenant en Afrique vont être éloignés de la ville, Reda.
Il y a l'éloignement. À moi d'affectionner un ancien stade public, et qui était là-bas depuis longtemps. Il y a l'éloignement, Il y a éloignement avec un métro, éloignement avec un tramway, éloignement avec des bus et éloignement avec tes pieds. Avec ouais, moi, la condition physique est dans ce qu'elle est. Est-ce qu'il est le cas dans certaines enceintes au Maroc, on en parle, le stade de Marrakech, on connaît le problème, par exemple, pour le Kaoukab de Marrakech, de ramener des supporters au stade, pour le masque de Fès également. Revenons à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour notre consultant Hervé Penaud, qui a suivi également pour nous cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, certes, ne doit pas perdre ses spécificités, mais elle doit également s'adapter aux réalités du moment. Et parmi les réalités, c'est le calendrier international. Et Hervé se pose une question toute simple, c'est pourquoi ne pas organiser la CAN, pourquoi ne pas la déplacer au mois de juin. On écoute Hervé, on en parle juste après. Il va falloir se pencher sur l'état des terrains qui change complètement la donne. Il faut absolument trouver un moyen de pouvoir faire pratiquer les joueurs sur des bonnes pelouses. Et puis, il y a peut-être une question qui va se poser à un moment. Est-ce qu'il ne faut pas un moment qu'on repousse la date de la CAN au mois de juin? Ça permettrait aux joueurs de se retrouver dans des meilleures conditions. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui ne veulent pas libérer leurs joueurs. Il y a beaucoup de clubs qui font une pression phénoménale sur des joueurs. C'est-à-dire planter comme ça en plein milieu d'une saison. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une interrogation qu'on doit se poser. Les employeurs et les joueurs préféreraient certainement que ce soit un peu plus tardif. Et ça pourrait peut-être aussi aider à mettre en valeur un peu plus la Coupe d'Afrique des Nations. N'empêche que c'est une épreuve qui a pris du poids et de l'ampleur depuis des années, ça on peut quand même le reconnaître, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Mais cette Coupe d'Afrique des Nations laissera quand même un souvenir mitigé à ceux qui l'ont vécu et à ceux aussi certainement qui l'ont regardé, en dépit de quelques belles performances d'équipes qui ont été éliminées plus tôt, hein, je pense, et ce n'est pas pour vous flatter, mais je pense que le Maroc a été l'une des équipes qui était les plus attrayantes. Donc il y a eu des équipes comme ça qui ont été plus spectaculaires que d'autres. Au final, c'était pas de la CAN des équipes qui faisaient du jeu, c'était la CAN des équipes qui défendaient bien, qui étaient capables de pas encaisser de but. Voilà, donc parmi les sujets évoqués par notre ami Hervé Penaud, le déplacement de la Coupe d'Afrique des Nations. On sait qu'il y a énormément de pression sur la CAF par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la CAF, et c'est de bonne guerre, la Coupe d'Afrique, c'est sa poule aux œufs d'or. C'est ce qui fait vivre le football africain. Donc il y avait la grosse polémique autour de la fréquence, c'est-à-dire tous les deux ans, plutôt tous les quatre ans. Beaucoup de gens demandaient tous les quatre ans. Issa Hayatou a toujours dit non, ça sera tous les deux ans. Parce il que a tous accepté. Les quatre ans, financièrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a accepté de déplacer la CAN vers des années impaires. Donc maintenant, on joue 2017, 2019, 2021 pour s'éloigner des années des Coupes du Monde et des années de l'Euro. Maintenant, cette idée de déplacer la CAN en juin, parce que souvent, et je m'en rappelle, Issa Hayatou nous en a parlé lors d'un entretien qu'il nous a accordé. Il dit en juin, il pleut beaucoup partout en Afrique. Sauf que là, par exemple, si on prend le cas du Gabon, il y a beaucoup plu aussi au mois de janvier, février. Est-ce que c'est impossible, toi, Moussa, qui a participé à la CAN, qui a vécu avec l'un des représentants de ce football africain, est-ce que tu penses que c'est impossible de faire disputer la CAN au mois de juin? Impossible. Moi, je suis pour la CAN au mois de janvier, en tout cas. Je pense que c'est les championnats européens qui doivent s'adapter à l'Afrique au mois de janvier. Mais c'est quand même la seule compétition continentale qui a lieu en plein milieu de saison. Oui, ça crée beaucoup de problèmes. Là, je ne fais pas l'avocat du diable, mais ça crée beaucoup de problèmes aux acteurs de cette CAN, c'est-à-dire les joueurs. Bah ouais, beaucoup ne retrouvent pas leur place. Ils ont peur de perdre leur place. Mais bah par contre, là où l'Europe doit nous rejoindre, c'est qu'au mois de janvier-février, il fait excessivement froid. L'Allemagne arrête un mois, la France, c'est la trêve aussi. Donc pour moi, c'est le mois idéal pour voilà, pour le problème, c'est le calendrier européen doit s'adapter par rapport à notre Coupe d'Afrique. Au mois de janvier où il fait froid, sauf au mois de février, on n'aura que 21 jours. Sauf que les joueurs, Moussa, ils appartiennent aux clubs, c'est les clubs qui les payent. Ah oui, c'est clair. Ils peuvent faire une trêve de 21 jours, Jalal. Pendant le mois de janvier ou février, où fait moins 5, moins 10, moins 10 et tout. Ils viennent retrouver la chaleur en Afrique et tout. Pour moi, c'est... Bravo. Attends, sinon, au mois de regardez la canne. Sinon, au mois de juin, il fait chaud en Afrique. Les joueurs ont joué 30 ou 40 matchs dans l'année. Tu vas leur faire encore rejouer une canne.
Bah, ils font bien une Coupe du Monde après. Bon, pour moi, il y a deux solutions. 4 ans. Ouais. Allez, les deux solutions de Réna. Je pense la première. C'est une question légitime que pose Hervé Penaud, effectivement. Oui. Et moi, je te rajoute aussi dans la foulée la programmation de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF quand à cheval entre deux ans, avec deux effectifs, avec des gens qui sont qualifiés qui la jouent pas, et des poules au milieu de l'été ou Ramdan qui vient au milieu. Mais bon, ça c'est interne. C'est pire même. Premièrement. Deuxièmement, il y a deux options. Soit on fait ce que dit Hervé, ce qui je trouve logique, ça n'a aucun sens en janvier. Ou option B, c'était le projet de calendrier Platini. Bon, il y a des problèmes, il ne va pas être en mesure de l'appliquer. Mais ça mérite réflexion de se demander pourquoi on ne joue pas au foot dans le monde entier, dans l'année civile. Oui. C'est un gros projet, c'est-à-dire se dire la Coupe du Monde serait, c'était le projet Qatari, c'est-à-dire se dire la Coupe du Monde arrive en fin d'année c'est décembre et les championnats sont sur l'année civile. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer en gros en septembre et terminer en mai, on commence en janvier, on termine en octobre. Le gros opposant à ce projet, juste pour information, ce sont les vendeurs de boissons. Parce qu'ils savent que les grosses compétitions sont très intéressantes financièrement quand elles ont lieu l'été, parce que les gens se réunissent, etc. Consomment des poissons. Alors que, si jamais tu fais une saison sur l'année, le problème de la canne est réglé, vu qu'il aura lieu comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, donc en début d'année, en fin d'année civile. Quoi. Voilà. Julie, une canne en juin. Moi, j'ai l'impression que sur cette histoire d'année civile, ça pose aussi problème pour le téléspectateur, en fait. Parce que à partir du moment où tu bosses pas, tes gamins sont en vacances en juillet-août, les gens partent généralement au mois de juillet ou mois d'août, je parle pour l'Europe. Et donc, du coup, tu vas te retrouver aussi avec un problème de téléspectateurs et d'audience devant ta télévision. Parce qu'à un moment donné, un père de famille ou une mère de famille, elle devra choisir entre regarder le match ou aller à la plage avec ses enfants. Et elle va être obligée d'aller à la plage avec ses enfants. Du tout, parce que figure-toi qu'un des arguments, justement, pour ce décalage, d'après les marketeurs, c'est de dire on a une période naturelle de vacances qui est juillet-août, où les gens aimeraient bien voir des matchs, on parle d'un match par semaine dans les championnats, et on n'en profite pas parce qu'on a des trêves. C'est justement un des arguments qui est utilisé. Pour justement. Moussa n'est pas d'accord. Coupe d'Afrique, c'est 21 jours, Reda. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de changer tout le janvier, monde. Janvier. Moi, j'ai envie de changer tout le monde. Janvier, février. Tout le monde joue l'été. Mais les clubs en Europe, ils sont en trêve. Ouais. L'Allemagne ne joue pas pendant. Oui, mais il n'y a que l'Allemagne qui ne joue pas. La France, ils sont en trêve aussi. Le Maroc s'arrête aussi. L'Angleterre ne s'est pas arrêtée, tu vois. Oui, l'Angleterre, ils font le Boxing Day. Et on en parlait avec Jalal. Et on en parlait avec Jalal, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai, quel est l'impact du départ de Sadio Mané à Liverpool? Quel est l'impact là, de... Là, il est grand. Ils n'ont pas gagné un seul match, mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais comprends, moi je comprends, par exemple, un club, prenons l'exemple de Sadio Mané, un club comme Liverpool, c'est vrai que peut-être il n'y a pas de cause à effet comme ça direct, mais depuis qu'il est parti, le gars, Liverpool n'a plus gagné. Un seul match. Fait un mois. Je vais compléter ce que tu dis en disant que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les joueurs qui ont refusé la sélection et qui sont retrouvés sanctionnés, en tout cas interdits de jouer dans leur club, moi je vais aller plus loin et moi je ne vois même pas au nom de quoi on forcerait un joueur à aller dans sa sélection. Moi je respecte tous les choix et s'il ne veut pas jouer avec sa sélection pour une raison X, pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? C'est pas le service militaire, il n'y a pas de guerre. Je préfère avoir des gens motivés. On revient juste au basique, les amis. C'est-à-dire la FIFA, elle est composée de la CAF, de la Confédération asiatique, et voilà, c'est la seule famille. Et pour protéger, s'il n'y a pas de sanctions et tout, ces petits trésors comme la Coupe d'Afrique des Nations. Les clubs vont dire, on vous paye, vous allez rester. Sinon, alors mes amis, reste une petite minute, et je voudrais faire un tour de table rapide. Sur une image. Alors, une image que vous retenez de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais commencer par elle. Ouais, les larmes de Bossofa. Je trouve que ce bonhomme a souffert. Il a été très critiqué. J'ai fait partie des gens qui l'ont critiqué. Je trouve qu'il est critiquable. Et en même temps, cette espèce de brèche d'ouverture d'humanité, en plein milieu du match, on n'est pas à la fin du match, on est au but de El Lioui. Et voilà, on a pris ça comme ça. J'ai beaucoup de critiques à faire sur ses performances, mais en même temps, un grand respect pour l'implication émotionnelle qu'il a montrée dans cette minute. C'est quelque chose qui m'a marqué, voilà. Voilà, les larmes de Bossofa pour Reda Al Ali, pour mon ami Sahbi Moussandar. Moi, c'est surtout le pénalty du gardien burkinabé. Oh là, quatrième, en quatrième position, depuis que je joue au foot, j'ai jamais compris ça. C'est ça. Voilà.
Quatrième position, quatrième tireur en plus. Une super équipe. Absolument, et sympathique et tout. Et jusqu'au bout sans ce truc-là. Voilà, c'est sur ce tir raté, non seulement il sort son équipe, il sort lui-même du match parce que voilà, il ne peut pas attraper le penalty. Et l'autre qui est derrière aussi, il rate le sien. J'ai jamais compris, surtout son rang. Quatrième tireur dans Aucun sens. Et en plus, et on en a parlé la semaine dernière, les amis, c'était limite un manque de respect parce qu'entre gardiens, voilà, on se respecte. Il a 20 ans, le gamin, il a 20 ans, et en face, il avait quelqu'un qui a 44 ans. Attends, ça, on n'a pas 60 ans et on me respecte, on ne marque pas de but. Hein. Bon, mon image à moi, bon, ça ne vous intéresse pas, mais c'est exactement la même que Reda. Ne nous intéresse pas. Ça t'intéresse pas. J'ai failli t'enlever le carton. Je te jure, j'ai sorti pour t'enlever. Mais finalement, je le garde. C'est l'image de Bossofa. Les pleurs de Bossofa. Juste après un but que l'équipe du Maroc marque. Ça restera l'une des plus belles images pour le Maroc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Moussa Ndao, de nous avoir accompagnés tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais tu reviendras, hein, parce que on parle aussi de Champions League ici. Tu feras partie de la team du club. Merci la revenante Julie. PSG, voilà. PSG la semaine prochaine. Voilà, qu'on va retrouver la semaine prochaine, bien entendu, pour PSG, FC Barcelone. Merci beaucoup à Reda. Merci les amis. c'est la fin de cette édition du club. Merci également à toute l'équipe technique qui nous aide à réaliser cette émission. On va se retrouver, bien entendu, avec le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine, mardi. Ciao mes amis.